comprends ça. Hein. Oh, oh bordel de merde. Oh bordel. Bah j'ai gagné la game, bravo à tous. J'en ai vu des stars débiles, mais alors celui-là il est turbo débile par-dessus tout ce qui peut être débile. Hein. Mais alors ce start frère, c'est quoi ça genre what? Bah écoutez, bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer... comment en faire des billets. Voilà, on va imprimer des billets, beaucoup de billets, et puis bah, on va fast 9, hein. Puisque bah c'est ça que tu fais avec tes gold. Tu vas 9, et tu joues des légendaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, et à vous abonner, ça ne mange pas de pain, ça prend un clic. Et pour moi, ça fait une grosse diff, merci à tous. On va faire du pognon, les gars. On va faire du pognon. Du pognon, mon pote. Ah, par contre. Elle était un peu radine avec la Gambler's Blade. Hein. Ok, déjà mieux. Ça va, on a fait du pognon. Ça va être assez amusant là, je pense. Là, je pense on veut juste de l'affront. Faire durer ça le plus longtemps possible. Sinon, un arc. Une belle, c'est cool aussi. Mais en soi, on pourrait... Oh non, pas lui. Mon pire cauchemar, Eternal Griffer. En plus, il a une 10 clos, frère. Ah, c'est trop. Il me déteste. Et il y a un bard qui soigne derrière. Non, mais vas-y, on va te faire foutre. C'était Slam QSS. Il est jaloux parce qu'il print pas des billets comme nous. Il y a un autre Eternal Winter. Non, dis-moi que c'est pas vrai, s'il te plaît. Ok, non, c'est pas un Eternal Winter. Allez, les gold. Let's go, en plus on gagne. Est-ce que vous vous rendez compte que avoir autant de gold en ayant fait lose, win, win, lose, win, c'est absolument démentiel. Attends, mais il y a moyen de faire des dingueries. Il y a un Sea Guardian qui peut partir là.
Sea Guardian avec une Gambler's Blade et une Genzo. C'est ça qu'on aime. Attends, mais c'est Yonid. Je l'avais pas vu. Je suis trop occupé à regarder mes gold, désolé. Oh, venez, on prend balance budget et on fast 9. Vas-y, go. On écoute le cœur. Plus de fric. C'est pas trop balance budget, c'est jamais trop. MG 8 Guardian, ça existe pas. Hop là. J'ai une envie de faire une rédemption, mais ça pue un peu la merde de faire rédemption dans mon spot là. Parce qu'après, ça me laisse une cloque. Streak. C'est big. Pas le choix, ça va être une 10 cloques. Au moins ça nous débarrasse de la cloque, c'est bien. Ça vaut le coup de cut le 4 Guardian pour entrer un Echo. Je sais pas. Nice, on a eu son... Lui aussi, il kiffe les 4 Guardians. Hop là, niveau 8, 50 gold. Ben ce budget c'est pas trop, ouais mais on aurait pu prendre autre chose, ça aurait été très bien aussi. En vrai, le Remember Your Roots, ça aurait été cool. Le problème c'est que dès que j'allais me séparer du Tarik, ça allait être beaucoup moins useful. J'avais pas trop envie du coup. On a deux options, soit on veut faire un meilleur item sur Ezreal, et remlever... Oh. Ok, what the fuck. Je pense qu'on va faire Shojin Ginzo. Shojin Spell Crit sur Harry. Memories of the war. Blue Lake. Que ce soit plus guerre de Thresh sur Yorick, maybe.
C'est pas mal l'arme assist. Je pense que j'ai le lotus. C'est fort aussi, mais... Précis sur X, c'est ok, ouais, mais. J'aime bien le choix que je viens de faire. L'égide, c'est vraiment un item de fou. Je sais même pas si c'est un fast 9, hein, je crois que c'est juste un fast 10. Est-ce qu'on gagne Ganza? Je suis pas certain. La raison c'est que j'ai pas d'anti-heal. Et il a que des persos avec beaucoup de sustain. MDR! Oh, le 4 super fan diff. Sérieux? Bon, je pense que c'est jamais toutes ces bouses. Hein. Lobby est super weak. Non, c'est moi qui suis super strong. What? tu te rends pas compte de l'effet que ça a de ne pas perdre un seul round sur un lobby. Ça bousille les côtes de tout le monde en fait. L'impact de faire des push ultra agressifs. Je pense qu'on push après le carreau. Si j'avais pas trouvé le trèche, je pense que j'aurais peut-être lâché quelques rolls, mais le trèche 2, je pense qu'il change pas mal de choses. Double Ginzo Archange sur un Six. À quoi il joue celui-là? Après, on pourrait roll Ezreal 3 de ce spot, mais. Est-ce qu'on va vraiment 10? Nah, on peut pas aller 10. Hein. On va roll.
Non, tu vas pas faire ça, Sbrochson. Attends, mais il fait TF3 lui. C'était même pas dans son intérêt de faire ça en plus. Sérieusement? Mon fun! Bon, c'est pas grave, on a quand même top 1. Allez, pouce bleu. En plus, on passe... Oh, le Smurf passe Master contre des challengers. Non, mais attends, mais... Si ça, ça mérite pas un pouce bleu, je sais pas ce qui mérite un pouce bleu. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vous me le dites dans les commentaires, mais moi, je ne sais pas.